Vous faites partie des automobilistes qui n'ont pas payé leur péage suite aux opérations des Gilets jaunes. Eh bien, Vinci veut vous retrouver et vous faire payer. On a prévu de leur faire un courrier de régularisation pour leur faire régler le péage, mais le péage du trajet qu'ils auront parcouru. Une démarche qui fait polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas comment ils peuvent gérer ça. Et en plus, ce n'est pas de la faute des personnes de ne pas avoir payé. Ce n'est pas eux qui ont bloqué les péages, donc je ne trouve pas ça tout à fait normal. Mais attention, avant de payer, Vinci n'aurait pas vraiment le droit d'identifier des usagers via les plaques d'immatriculation. Il n'y a aucun caractère d'infraction et aucune possibilité de réquisition effectivement du fichier des immatriculations de véhicules qui est à l'usage de l'aspect judiciaire et pas d'un acteur privé. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a lui-même dénoncé cette démarche, la trouvant incongrue.